www.lascene.info. Horreur, abomination, carnage, inhumanité. Des morts parce qu'ils exerçaient la liberté de la presse, ou parce qu'ils étaient juifs, ou parce qu'ils faisaient leur travail de protection. Des sacrifiés en cette aube d'année, en ce début de siècle, de 21e siècle. C'est ce qui se passe quand on fait l'économie de l'intelligence, de la solidarité, de l'éducation. C'est ce qui arrive quand on passe de la vie de société à l'esprit de meute et de secte. Quand à la culture, on préfère la barbarie et l'ignorance. Rien, jamais, ne pourra justifier le meurtre. Ces hommes et ces femmes assassinés, c'est un pays entier qu'on assassine. C'est son histoire et ses lumières qu'on piétine. C'est son identité qu'on efface. C'est la liberté qu'on égorge. C'est nous tous qui mourons un peu. Ce qui vient de se passer, c'est la tentative de meurtre de la liberté de penser et d'exprimer, de l'humanité, de l'humour, du propre de l'homme. Aujourd'hui, notre rassemblement, comme tous les autres, est la promesse, au nom de la République, en hommage à ces victimes innocentes, pour l'honneur de la France et pour tous ses citoyens, que en tant qu'homme, que femme, en tant que parent, jusqu'à notre dernier souffle, nous nous battrons pour la liberté, l'égalité et la fraternité.
c'est l'info.
meilleurs mots quand même. Hein. www.lascene.info